legends say, never approach the island. For a sleeping beast in the darkness. Sleeping beast in the darkness awaits for a great awakening. Yes. Young Skywalker. Bienvenue dans ce nouveau Level Ichi. Encore sur un jeu From Software. Encore sur un Kingsfield. Encore. Sur un RPG. Sur un encore. Bonjour et bienvenue sur ce bug d'émulation. C'est pas grave, ça me le fait tout le temps. On est sur Kingsfield 2, la suite de Kingsfield 1. Ou Kingsfield 1, la pour suite nous. De Kingsfield 1 aussi. Oui, exactement, parce que Kingsfield 1 n'est jamais sorti ailleurs qu'au Japon. Et donc celui-là est sorti chez nous sous le nom de Kingsfield, tout court, et non Kingsfield 2, et aussi aux États-Unis. Et c'est également le seul opus de Kingsfield PS1 qui est sorti chez nous. Oui. Et on est également sur émulateur, pour ceux qui n'auraient pas vu notre précédente vidéo. Pourquoi on est sur émulateur ? Parce qu'on n'est pas riche. Et parce qu'on n'a pas envie de donner de l'argent à des gros pouilleux, de connards, de scalpeurs de merde. Oui. Voilà, on est sur émulateur pour ça, que vous voyez à l'écran maintenant. Voilà, c'est très très la jufferie. Bref, donc là, je vais lancer une nouvelle partie pour la vidéo vite fait, et après, comme Kingsfield, je chargerai. Pour montrer le endgame. Donc là, tout de suite, on constate quoi ? Que le jeu est plus beau, il tourne mieux que le précédent. Il y a trois polygones en plus, il y a des textures qu'il n'y avait pas avant. En haut à gauche, changement, c'est plus une barre non numérique. On a nos points de vie et nos points de mana écrits. Mais les barres en dessous, qui sont la barre power et la barre de magic, sont les mêmes. Donc là, Kingsfield 2, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Nous jouons un certain Alexandre, ami du héros du 1, de Kingsfield 1, qui, entre deux, est devenu roi. Suite à la suite de son sauvetage du royaume, bref. Et on se retrouve sur l'île de Merenet, the island of Merenet, qui est une île maudite où des monstres sont les rois incontestés depuis des générations, et où tous les gens qui vont sur cette île finissent prisonniers de cette île. Putain, on dirait le scénario d'Eternal Ring pour l'instant. Parce que... Merde. En fait, je m'inverse les contrôles parce que là, c'est en mode européen et pas japonais, donc croiront tout ça. Parce que, comme va nous le dire le petit pêcheur, alors, grosse différence entre le 1 et le 2, beaucoup plus d'interactions avec les PNJ. Putain, j'ai cru qu'il avait une casquette pendant un moment. Non, c'est un... Oui, mais en fait, de l'angle c'est où t'es fait... C'est un fez vert. Oui, de l'autre angle, c'est de ça. L'angle où par contre, ils sont toujours... Oui. Voilà, donc il nous explique qu'on s'est écrasé. Parce qu'on était à bord d'un bateau et tout notre équipage est mort, nous on a perdu notre équipement. Il nous raconte que l'île est empoisonnée et que tous les gens qui viennent dessus sont prisonniers parce que ils s'abreuvent d'eau, tout ça, et l'eau autour est empoisonnée et ça fait que tu deviens dépendant de ce poison, et donc tu ne peux plus quitter l'île, tu es prisonnier dépendant donc, si il t'arrive quelque chose ou dépendant tu meurs quoi. D'accord, ok. Tu t'as plus ta dose, tu meurs. Ok. Voilà. Donc vite ma dose, quoi, exactement. Les mouches. Les mouches, comme d'habitude. Hein. Classico del From Software. que j'arriverai pas à toucher parce que j'ai une arme de merde au début du jeu, voilà. Et donc, nous, pourquoi on va sur cette île ? Parce que la Moonlight Sword a été volée à notre ami l'héros du 1 par un roi démon. Qui s'est réfugié sur cette île, et donc on est ici pour essayer de la récupérer pour le compte, exactement. Un démon du nom de Necron. Oh. Oui. Qui est un boss ultra stylé et ultra chaud à battre. Déjà, il y a beaucoup plus de boss dans ce jeu. Ouais. T'en as 6, 7, un truc comme ça. Alors que dans le 1, t'en avais 2, et encore 1, c'était à moitié, quoi, à part le boss final. Dont... ce Kraken immense que je vais vous montrer. Ce calamar. Là, je vais speedrun le Kraken. Attention, t'es prêt ? Ouais. C'est parti. Ah, j'étais pas censé y arriver.
J'étais censé mourir genre immédiatement. Voilà. J'étais censé faire ça. Ah oui, me faire one shot immédiat mal. Ok. C'est la première fois que j'arrive à le flank au niveau 1. Voilà. En fait, j'ai cru que t'allais vraiment le cheese. Non, pas du tout. Ridicule, pas du tout. Ouais, je me suis surpris moi-même par mes compétences gameplaytiques. Ouais. Donc voilà, toujours Kingsfield. Dès le début, on est une merde. On est inéquipé. C'est comme ça. Les Dark Souls. Et t'as les ennemis qui peuvent te agar dès le début en fait. Donc vaut mieux pas aller par là. Ah merde, là je me suis fait bouffer par un poisson là. Ah c'était des piranhas genre. Ouais, des piranhas casse-couilles là. Je pensais que c'était pas des décors. De mort, hein. Non, c'est pas des décors. Donc tu vois bien, t'as une petite surface où tu peux marcher, l'autre où tu peux tomber. Ouais, donc là déjà deux morts. Là. Donc là déjà deux morts et ça fait 30 secondes de vrai jeu. Alors, tout le jeu se passe du coup sur cette île. Ah putain, c'est une boussole Mélanate. En haut à droite. D'accord. C'est une boussole en haut à droite. D'ailleurs, spécialité du design de la boussole des Kingsfield. Oui. Si tu la tournes, on dirait que c'est écrit sexe. Oui, c'est ce que j'ai pensé au début. Oui. Voilà, c'est très rigolo. Moi, ça m'amuse. Ah bah les Japonais. Les Japonais, ils adorent. Ils adorent. Hein. Moi, je dis qu'ils adorent. Donc là, la fontaine qui est accessible dès le début. Parce que t'as plein de petites modifications. Après, tu trouveras une vraie fontaine du dragon. Et en fait, cette fontaine, tu pourras débloquer d'autres fontaines, d'autres couleurs. Donc là, la bleue, ça te donne de la vie. Ouais. La vert, ça te donne du mana. Oui. La rouge, ça te dépoisonne. Et si tu combines les trois, ça te fait une potion ultime, une potion jaune qui te soigne tout. Qui soigne tout, ouais. Exactement. Et t'auras un système, je vais le montrer plus tard. Oh putain. Oui, t'as plusieurs phases pour les ennemis. Tu peux leur éclater leur pustule, là. Et il reste que le corps... Bon, là, je suis encore mort parce que je joue comme une merde. Oui. Et il reste que le corps. Donc, alors, pour vraiment plus montrer du gameplay, je vais charger ma partie. Une de mes parties. Parce que, dès le début, en fait, on est limité. T'sais, pas de magie, pas d'armure, pas d'armes, tout ça. Vous connaissez. Moi, je connais. Moi, je connais pas. Tu connais pas ? Eh ben c'est pas grave si tu connais pas. Je connais à peu près, mais je connais pas vraiment. Alors, je vais charger ma dernière sauvegarde. Je crois que c'est celle-là, si j'ai pas de bêtises. Bah c'est celle où t'es le plus haut niveau, quoi. Ouais, je suis celle au plus haut niveau. Mais parce que là... Ouais, là c'est vraiment à la toute fin du jeu. Donc je vais pas aller par là. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une des nouveautés de ce jeu. Oui. Qui sont un peu comme le Dragon Rod, ils te téléportent, mais okay. En gros, t'as un système. Voilà. Les gates. Donc là, t'as la Stargate, pas SG1, malheureusement. Ouais. Mais donc voilà, t'as trois clés que tu peux trouver à différents endroits dans le jeu. Au début, tu trouves que la Stargate. Ouais. Ensuite, la Stargate, il faut trouver la Star Key qui va avec. Donc cette clé, comment ça fonctionne ? Je vais vous le montrer. Dans le point de sauvegarde où j'étais, en fait, il y a 5 secondes. D'accord, ok. Donc, le seul point de sauvegarde du jeu où il n'y en a pas. En gros, t'as un stand. Voilà, je vais vous le montrer. La Stargate. Vous la prenez, vous l'utilisez. Nothing happens, parce que je l'ai pas... Ah, mais non, mais oui, parce que c'est la dernière zone. Alors, on va faire une ellipse. Voilà. Rien ne se passe comme prévu. On va faire une ellipse. Ça marche. Ah, putain, c'est les mêmes démons. Ouais, c'est les mêmes que dans le 1. Wow, mais c'est la bataille c'est la guerre des étoiles ou quoi là? Bah, on fait pas d'ellipse. Je vais vous montrer les démons vénères là. Regardez ça, la même magie que dans le 1, là, regarde les éclairs de ouf là. Merde, non, c'est triangle. Voilà. Mais c'est la guerre des étoiles. Les éclairs nucléaires. C'est voilà. Putain, donc, c'est les mêmes démons que dans le 1. Également, les items comme le miroir de la vérité, tout ça. Que je vous montre vite fait. The prophecy was true. The prophecy is true. Tu peux en avoir plusieurs. Dans le jeu, apparemment, il y en a 7. Ouais. J'ai aucune idée d'où ils sont les autres. Ils sont très cachés. Apparemment, tu peux faire un truc si t'as les 7, t'as un truc ultime. Bref. Oh, le vrai miroir. Donc, le seigneur démon, un monstre créé par le côté obscur, Necron, qui est le boss du jeu. Et donc comme je l'avais dit je crois dans la dernière vidéo, c'est vachement utile d'utiliser le miroir pour apprendre la vérité sur certains personnages, sur les monstres, et en apprendre plus sur le lore et l'univers du jeu. Donc là, je vais les éclater, voilà, et là on se fait vraiment une ellipse pour vous montrer ce que je veux vous montrer. Ellipse.
Voilà, fin de l'ellipse. On se retrouve dans une autre sauvegarde un peu avant. Parce qu'en fait, quand tu bats le boss avant la fin du jeu, tout ce qui est magie dans l'île se termine en fait, donc tu peux plus utiliser tout ce qui est téléporteur. De toute façon, t'en as plus besoin. Donc, du coup, pour vous montrer comment ça fonctionne, les téléporteurs, vous avez les clés, comme la Sun Key ici, vous les placez dans les postes qui sont à chaque point de sauvegarde du jeu. Et une fois que c'est placé, tu peux l'enlever quand tu veux, mais il faut y retourner. D'accord. Et donc en fait, il faut les utiliser intelligemment de manière à te faire des... Des waypoints. Des waypoints, exactement, pour éviter de se retaper tout un trajet. Parce que en fait, contrairement au 1, c'est pas divisé en niveaux. C'est une seule île où tout est interconnecté. Ouais. C'est vraiment un level design excellent. Moi, vraiment, j'ai beaucoup apprécié la façon dont, dont ils ont créé cette île, en fait. T'es pas obligé et de retaper façon... tous les niveaux non, pour, c'est ça, pour de... repasser du 1 au 5, ouais. Ouais. T'as, tu débloques des raccourcis au fur et à mesure. Ouais. C'est très Metroidvania. Et j'ai même envie de dire, c'est très Dark Soulsvania, Dark en fait. Souls-y. C'est Dark Soulsvania. Ouais. C'est si Kingsfield 1 était les fondations... sur lesquels From Software se sont appuyés. Kingsfield 2, lui, c'est les piliers des, de leur jeu actuel, en fait. Oui. Au niveau des, de la map, de la façon dont tu évolues dans le gameplay, les différents items, le level design, les ennemis, la magie, tout ça. Par exemple, là, ces piliers-là, ce sont des piliers du vent. Les piliers du vent... donc au début tu peux pas les utiliser, donc ils te mettent un vent tout simplement. Après, quand tu améliores ta magie et que tu trouves un certain item qui est dans le 1 c'était une harpe, oui. Donc là c'est encore un instrument de musique qui est le l'ocarina. Le carina du le, le alors je l'ai zappé, non mais je l'ai là voilà, bah, je l'avais zappé. Ah, la flûte. La flûte de Arvin. Arvin, le roi, qui était le roi déchu de l'île. Donc en fait, on explore son château, ses donjons. On trouve plein d'items secrets. Il y a beaucoup plus de secrets dans celui-là que dans le 1. Mm-hmm. En fait, il y a beaucoup plus de tout dans ce jeu. Et rien ne se passe. J'imagine que j'étais mal placé. C'est pas grave, bref. Non mais c'est pas grave. Donc plein de magie comme là, avec des effets stylés, vraiment stylés, comme vous avez pu le voir avant avec les démons que j'ai éclatés en deux. Comme Kingsfield, beaucoup d'exploration, du leveling, plein d'éléments RPGesques. Oh là, quel hasard, parce qu'en fait elle spawn pas souvent ici, mais on a la voyante du jeu. La voyante du jeu qui est un personnage assez important et qui nous explique, donc là, grâce au miroir de la vérité, on peut apprendre qui elle est vraiment, donc, mais personne ne sait qui c'est réellement. Et en fait, elle est vachement utile si t'es coincé, parce que elle te donne une description de l'item que tu veux, en fait. D'accord, ok. Donc par exemple, tu peux ramasser un item, tu sais pas trop ce que c'est, genre la Ice Blade. La Ice Blade, et elle t'apprend l'histoire de cette arme, si elle a des pouvoirs magiques, etc., etc. Donc si t'as des items, tu sais pas à quoi ça sert. Là, voilà. Autre nouveauté de ce jeu, pour tout ce qui est soins, comme j'ai parlé précédemment, il y a les fontaines. Mais les fontaines, bah, elles sont statiques, tu peux pas les avoir sur oui, toi. Bah oui. Sauf que, attention, une bouteille de, d'eau de exactement, fontaine. Voici le début des astuces, des fioles d'astuces du jeu, la gold potion. Que tu peux rentrer, ouais, que tu peux remplir aux fontaines du dragon. Oui. Que tu débloques, et donc ouais, la gold potion qui est le en mélange fait, des trois couleurs. Le dragon, c'est l'ancêtre des bonfires, quoi. C'est l'ancêtre des bonfires, exactement. Et donc tu peux la boire, et ça te régène un bon morceau de ta vie et de ton mana. Ça te régène pas tout, mais voilà. Et tu peux les remplir à l'infini. Ouais. Et donc, ces bouteilles, eh ben, soit vous les trouvez, soit vous allez voir un certain PNJ dans le jeu, qui est un craftsman, qui te transforme des cristaux que tu peux ramasser et looter sur certains ennemis ou trouver dans les coffres et tout et les transforme en bouteilles de cristal, exactement. Parce qu'en fait, l'économie du jeu, enfin dans l'univers du jeu, l'économie repose sur ces cristaux. Tous les mineurs, enfin tous les habitants de l'île essayent de survivre comme ils peuvent en ramassant des cristaux qui vendent ensuite
parce que Necron les a esclavagisés, rendus esclaves, bref, vous m'avez compris, enclavés, voilà, et donc du coup ils travaillent pour lui, et ils doivent ramasser plein de cristaux pour espérer survivre, et se nourrir, et tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser une gate pour aller à un autre endroit du jeu. The Moon Gate. Qui n'est pas loin d'un village, si je ne m'abuse. Oh, donc il y a des villages. Il y a des villages dans le jeu. Contrairement au 1 où il n'y avait pas forcément de... Exactement. Ah, vu que tu n'évoluais pas dans un espace... Donc, tu as plusieurs maps dans le jeu. Tu as la map que tu trouves au début. Ensuite, tu peux acheter des cartes différentes. Donc là, c'est la carte de la fin. La map de Necron. Ouais. Et je me suis trompé, c'est pas du tout ce téléporteur. Oui, oui, je vois ça. Attends, je crois que c'est la Stargate en fait. SG1 du coup. Et, oh oui, nouveauté aussi du jeu, on peut sprinter. Donc là, vous avez vu en haut à gauche, on a la barre de power d'attaque et la barre de mana qui se vide quand tu sprintes. Ouais. Et ils doivent mettre un certain temps quand t'arrêtes de sprinter avant de se régénérer. Et donc, voilà, on a plein de petits villages comme ça. Donc tu vois l'amélioration graphique par rapport au 1 quand même, ouais, au niveau de la présentation, de la DA et tout ça. Mais toujours les PNJ en mode 3D polygonal. Et sans visage. Exactement. Bon, alors lui c'est un petit con qui s'est perdu dans un nid de termites et tu dois affronter une termite géante pour le libérer et tout et ça. Pourquoi ils ont tous des chapeaux turcs les personnages de ce jeu là Non, pas elle. Elle a un chignon blanc. Mais elle découpe un AV à l'infini. Oui. Voilà. Donc là ils disent plus rien parce qu'en fait j'ai fini leur quête donc ils me disent plus rien en fait. Ils me disent les mêmes phrases. Et donc t'as vraiment beaucoup de PNJ dans ce jeu, et il est, je dirais pas qu'il est nécessaire de leur parler à tous, mais c'est utile de tous les voir, tous leur parler, parce qu'ils ont tous quelque chose à t'apporter, à te raconter sur l'univers du jeu, ouais. Ou pour comprendre ce que tu dois faire, par exemple, à certains moments. Donc ça, voilà, je crois que c'est... Non, c'est pas ici, c'est pas ça. Ouais, donc à certains moments, pour comprendre ce que tu dois faire ou quoi... Plein de petites quêtes, de sous-quêtes du coup, qui te permettent de débloquer certains items, certaines armes ou armures, comme je vais vous montrer ici dans mes équipements. On a. Bon, là j'ai toutes les armes du jeu quasiment, puisque c'est la fin. T'as le marteau de guerre que tu trouves dans un donjon secret avec des squelettes armés de faux et qui t'envoie des rayons de trous noirs, là, ouais, exactement. Ouais. Un sabre laser. Non, l'épée de flamme, qui était dans le 1 aussi, mais qui est ici beaucoup mieux faite, beaucoup mieux animée. Et si je peux m'en équiper et vous montrer... Alors, en fait, j'ai inversé les deux touches. Parce que dans Kingsfield 1, c'est triangle pour attaquer et carré pour la magie. Là, c'est l'inverse. Donc, carré pour attaquer, et j'ai foiré, c'est pas grave. Je vais essayer de vous montrer quand même... Bon, j'ai foiré, c'est pas grave. Mais t'as les mêmes. Une combinaison de touches. Une combinaison de touches, le timing est très précis pour faire ces trucs. Autre truc qui se rapproche beaucoup de Dark Souls, l'épée Ice Blade de cristal. L'épée de cristal. Et également, en fait, tu vas le reconnaître comme item parce qu'il y a exactement le même dans Dark Souls, le Crystal Shield. Ah oui. Qui est exactement le même, parce que tu as une zone qui est recouverte de glace, en fait, et t'as des ennemis de glace, c'est des golems de glace. Et je vous montrais une image, les deux, côte à côte, c'est exactement le même design que les golems de cristal dans Dark Souls 1, qui sont à côté du Hydra. Oui, ouais, à côté de c'est Hydra, exactement les mêmes, exactement. Mais l'épée de glace, là, que t'avais, elle ressemble, je trouve, à... Si tu remets et t'as plein d'armures. La Dark Armor. Et la Dark Armor, encore une fois, qui te protège beaucoup de la magie, mais t'assombris le truc. Mais en fait, c'est cool qu'il soit passé en vue TPS parce que t'as plein d'armures stylées, mais tu les vois pas. Tu les vois pas, exactement, oui. C'est dommage. Les mains du démon, tu as plein de gants et tout ça. Et également, dans celui-là, tu peux équiper des items spéciaux, même plusieurs. Et par exemple, tu as des anneaux. Qui te permettent, par exemple, lui, il te protège du poison. Oh, il y a la Sith Seer. Ouais, il y a... Parce que, attention, Dark Souls, en fait, ça se passe dans le même univers de Kingsfield, spoiler alert.
Attends, mais c'est vrai ça ou... Genre, non, pas du tout. Mais ça pourrait être possible. Parce que, en gros, l'histoire de Kingsfield, c'est deux dragons demi-dieux qui se font la guerre depuis des générations et des générations. Un dragon blanc du nom de Sith, qui est exactement oui, comme non, oui, ça, ouais. le même. Et un dragon noir du nom de Gaira, qui est un dragon qui lui ressemble dans je sais plus quel Dark Souls, mais qui a un autre nom. J'ai oublié. Un dragon avec un seul œil et des grandes dents. J'ai oublié le nom. Ah, c'est pas dans Dark Souls 1 dans le DLC. Peut-être. Calamite. Peut-être que c'est Calamite, non. Je sais pas. J'ai oublié. C'est qu'il a un œil rouge. Et donc ces deux dragons, en fait, à force de se faire la guerre, en fait, ils en ont marre de se faire la guerre. Donc tous les deux créent l'arme ultime pour vaincre l'autre dragon. Donc Gaira, le dragon noir, crée la Moonlight Sword. Pour vaincre le dragon blanc. Si tu me dis que le dragon blanc crée les éclairs... Non, le dragon blanc crée la Dark Slayer. Dark Slayer, ouais, okay. Qui est une épée que tu craves du coup grâce à une quête dans le jeu, où tu dois trouver un cristal noir dans un cimetière d'elfes anciens, et que tu donnes du coup un... Je suis complètement paumé. Un forgeron, voilà, ouais. Qui te construit donc la Dark Slayer, justement, qui est l'épée la plus puissante du jeu, et dont tu as besoin pour battre le boss de fin de ce jeu. Mais on est d'accord que, du coup... Oui. Est-ce que tu affrontes les dragons au moment ou... Oui. Et tu dois tuer les deux, entre guillemets. Non. Non. Alors, en fait, dans celui-là, c'est vraiment... C'est comme From Software... Faut essayer de lire entre les lignes pour comprendre la vraie histoire. Mm-hmm. Donc là, ça va être un peu du spoil, mais je vais le dire quand même. En gros, dans Kingsfield 1, on s'est fait... sur la fin, on s'est fait manipuler par Gaira, le dragon noir, pour détruire Reinhardt, qui était un roi despotique, à la solde de Sith, en utilisant la Moonlight Sword. Ouais. D'accord, ouais. Dans le 2, dans celle-là, la Moonlight Sword se fait voler par Necron pour pouvoir aller affronter Sith. Mm-hmm. Et nous, en fait, on va servir les intérêts de Sith sans s'en rendre compte, puisqu'on va récupérer la Moonlight Sword et également crafter la Dark Slayer pour aller buter Gaira, qui est le dragon noir, du coup. D'accord. Et dans le 3, on arrête de se faire manipuler. Et à la fin, on tue le deuxième dragon en utilisant la Moonlight Sword. On tue Sif, ouais. En utilisant la Moonlight Sword. C'est marrant parce que les thématiques, on dirait qu'elles suivent vraiment les Dark Souls. Les Dark Souls, c'est exactement, c'est pour ça. C'est-à-dire que dans Dark Souls 1, c'est exactement ça, tu te fais manipuler par... Bon, je spoil aussi Dark Souls 1, mais... Mm. Tu te fais manipuler, entre guillemets, par, tu sais, Gwyn, sa fille... Exactement. Pour que tu rallumes la flamme en te faisant croire que ça va sauver tout le monde, alors que c'est juste... Et là, c'est un peu le même délire. Et là, c'est un peu le même délire, exactement. Ah voilà, je vais vous montrer un peu des ennemis. Donc là t'as les Undead Soldiers. En fait c'est des soldats qui sont manipulés par Necron en fait. Et donc ouais. Ils sont à la solde du roi démon. Oh putain, il y a des animations de mort quoi, comme ça. Ah oui, il y a des animations de mort et tout. Non mais c'est vraiment, là ils ont mis les moyens. C'est vraiment moyens. Ils se sont dit c'est bon là. Et ils sont allés à fond sur celui-là. Il y a vraiment un jeu, un jeu budget en pas longtemps. Ouais. Mais en vrai, celui-là, il est sorti 6-7 mois après Kingsfield 1. Les mecs, ils ont charbonné. Ils hein. ont bossé. Parce que vraiment, il y a. Niveau contenu, il y a vraiment de quoi faire. C'est. Rien que la taille de la map, qui est vraiment énorme. Comme le 1, encore une fois, un peu monde ouvert, sans temps de chargement. Ouais. Parce que bah, c'est comme tout, ça stream au fur et à mesure. C'est ça, ouais. Mais ça te permet d'avoir zéro temps de chargement, qui est un avantage. Non négociable pour un jeu PlayStation 1, puisque on s'en souvient, les disques de merde qui chargent pendant 50 ans, parce qu'ils ont 3 rayures et que le lecteur galère. Oui, bah oui. Voilà. Donc, boum. Voilà, la magie. Oh là là, une mur de feu. Comme le 1, on a encore une fois des musiques vraiment cool. Surtout celle de cette zone, qui est ma préférée, que je vais vous laisser écouter quelques secondes maintenant. Voilà, c'est vraiment une musique vraiment cool. Elles sont un peu moins répétitives que ouais. dans le 1, et moins énervantes, la plupart des musiques. Ouais. Moins énervantes surtout, que celle de la fin, là.
C'est ça, c'est... C'est ça. En fait, les musiques qui font des boucles rapides, où c'est... Exactement. Et... est-ce qu'on se ferait pas une ellipse de quelques minutes? Et je montre le boss de fin du jeu. Vas-y, hein, parce que tu m'as dit qu'il était stylé. Ellipse. Hein. Fin de l'ellipse. On se retrouve dans la dernière zone du jeu. Exactement. Mais t'es vraiment dans la matrice parce que vous avez pas vu et toi t'as pas vu non plus. Oui. Mais avant, pour venir ici, on passe par des téléporteurs dans des couloirs de la matrice qui sont remplis d'ennemis du jeu, mais en version robotique. Genre, tu vois les démons rouges et bleus, oui, oui. T'as des versions cyborg, t'as des termites, ils sont ultra vénères, mais tu peux les éclater. Mais ils ont pété les plombs sur le dernier niveau. Là. Sur le dernier niveau, ils sont allés à fond, bah, tu rentres dans la matrice pour niquer le demi-dieu. D'accord. Et donc là, attention, Gaïra, et pas Kaïra, on va s'équiper. Ah bah, je m'en suis déjà, voilà, de la Dark Slayer, qui est l'épée cousine de la Moonlight Sword, mais qu'on ne voit plus jamais malheureusement. Ouais. On voit que la Moonlight Sword. Hein. C'est, ouais, c'est, cette fois, t'affrontes le mal cette fois. Exactement. Donc là, je me suis équipé à fond. J'ai la magie la plus pétée du jeu. J'ai plein de fioles. Voilà. Et donc là, c'est parti. The man who woke up the dark side, offer me all of your energy. Et là, on va l'éclater. Oh putain. Il faut faire attention à ces boules de merde là qui tirent des lasers. Attends, je vais essayer de... Putain, il a une couronne et tout. Regarde ça, la magie là de la Dark Slayer. Merde. C'est comme ça ou c'est... Non mais parce qu'en fait ces boules d'énergie, ils le protègent. Voilà, je lui envoie de la magie dans la gueule là. Ouais. Putain, il a deux énormes dents là. Oui, oui, t'as vu. Il a deux énormes dents. Oui, il a... Il y a un design un peu... Voilà, on lui envoie les lumières dans la gueule. Attends, faut vraiment que j'arrive à... Voilà. Et là... Mais j'avoue, c'est calme. Et là, j'ai plus de mana, là. Il va falloir que je prenne une fiole d'Estus. Y a aussi les cristals de dragon, je peux utiliser. Oui, pour avoir toute ta vie. Voilà, je peux les utiliser, voilà. Parce qu'on s'en fout. Ah merde, ils ont absorbé la magie, ces connards. Les bruits de laser là, c'est... Oui. Mais c'est Star Wars, c'est la guerre hein. Des étoiles là, c'est un délire. Et voilà. On dirait vraiment Calamite en fait. Ouais, bah ça doit être lui alors, le dragon avec, que j'ai vu de Dark Souls. Avec l'œil rouge et tout. Oui. Hop là. Tu vas voir. Ah, mais je vais l'avoir, je sais que je vais l'avoir. Hein. À force de le maraver. Du coup, il peut te voler ton énergie, il a dit. Oui, exactement. Et surtout les boules jaunes, là, en fait, quand tu tires avec ta magie, il l'absorbe, en fait. Tu peux pas les détruire, les boules jaunes ? Je crois que tu peux, mais c'est galère, parce qu'elles bougent dans tous les sens. Ouais. Là, je vais me réutiliser un Dragon Crystal. Alors, aussi, vite fait, je vais parler. Tu peux te faire un quick equip dans celui-là. Ouais. Avec la touche oui, select. Ouais. Ah putain, il y a ça aussi dans Eternal Ring. Ah ouais, ok. Ouais, bah du coup là bien. J'ai équipé genre les herbes pour pouvoir se soigner sans passer par le menu ouais, à chaque fois ouais. Parce que c'est casse-couille. Et c'est vachement pratique quand tu te fais marave et que t'as ta vie qui descend comme pas possible. Et donc là, je vais bientôt l'avoir normalement. 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 Alors attends, je vais peut-être changer de magie. Équipement, magie, non. Là. Je vais vous montrer un autre truc. Voilà, le pouvoir de 6, qui prend 32 MP, mais qui mitraille. Ah ouais ? Ouais. Oh. Par contre, faut le temps que ça recharge. Ah oui, putain, ah oui, ça met du temps à charger celui-là. Ah oui, ça met du temps à charger. Donc là, je me fais juste ma rave en attendant. Oh, il l'a absorbé. Les boules, ouais. La boule, les boules. J'ai les boules, franchement. J'ai les boules. Voilà. Putain, il est résistant, le con. Ah, il est ultra résistant. Hein. Il a le même, t'as vu oui. Je voulais juste me prendre une petite gold de potion. Allez, allez. Je vais le voir. On y est presque.
Il y a aussi un hack, genre tu peux essayer de faire en sorte, et c'est vraiment legit parce que c'est pris en compte par le jeu. Genre qu'il tombe. Non, genre si tu te rapproches, il fait une attaque certaine, tu peux passer derrière lui et récupérer la Moonlight Sword sans finir le jeu. Ah et ouais, du coup après tu peux t'en aller te balader, équipé de la Moonlight Sword et tu niques tout. D'accord. Encore plus qu'avec la Dark Slayer. C'est très marrant. Et il y a plein d'autres trucs comme ça dans le jeu. Par exemple, t'as un marchand qui vend des bottes pour 30 000 pièces d'or. Et en fait, les bottes, elles sont physiquement là. Et donc, ce que tu peux faire, c'est que quand tu tapes un PNJ, il se déplace un petit peu. Et donc, tu peux le taper beaucoup de fois, le faire décaler, passer derrière lui et le voler, en fait. Et avoir les bottes gratuitement, les bottes les plus pétées du jeu. Et c'est pris en compte par les développeurs, parce que t'as vraiment plein de passages comme ça où tu peux... matrixer un peu et choper des secrets en fait de cette manière en bougeant les PNJ. Non mais d'accord. C'est vraiment rigolo. Donc là, normalement, on va en venir à bout dans pas longtemps. Ça fait juste 350 heures là qu'on lui tire dessus. Mais parce qu'il est résistant, ouais, ouais. Ce connard, c'est un raziste. Et du coup, attends, c'est le boss final lui ou pas ? C'est le boss de fin du jeu. Voilà, là vous voyez la fin du jeu. Voilà, je l'ai éclaté. On va récupérer l'épée du clair de lune. Et. Vous voyez la fin de Kingsfield 2, je vous ai spoilé, désolé. Et j'imagine mais en même temps, Kingsfield fallait 3, y jouer. On déglingue 6, quoi. Exactement. Comment t'as deviné? Et dans Dark Souls 1 aussi. Oui. On bute 6. C'est incroyable. Bref, moi je vous dis à bientôt pour un prochain level ici. Je vous conseille vraiment. Un prochain level ici? Ouais. Bah, level ici et level là-bas. Je vous conseille vraiment les jeux From Software, les Kingsfield, RPG à l'ancienne et voilà quoi. Oui. Allez, ciao ciao! A holy light broke through the darkness, and the warm sunshine of dawn filled the island. Alexander looked to the heavens and began to feel his spirit glow inside him. He began walking again. Now that he possessed the Moonlight Sword, he had nothing to fear. With this sword, he was more powerful than the gods or the demons, for all knew that he was the chosen man with the chosen sword.